On va prendre le témoignage, un ami. Sans dire quoi? Sans dire quoi. C'est okay. Info Média 9+. Ok. Yes, aïe. Alors là, on est avec l'artiste, le chanteur. Donc, allez, descendre là. Oblique. Yes. Donc, Oblique, qui genre? Bon, on est là, écoute, on est là, tranquille. Hein. On est là, on est venu soutenir les grands frères, tu vois. Et puis, c'est la Guadeloupe, on est des Guadeloupéens. C'est une vraie cause, c'est un vrai combat que les frères ont mené. Pour ma part, tu vois, j'ai collaboré aussi avec deux, trois d'entre eux. Ce sont des vrais, tu vois, citoyens, de vrais acteurs, tu vois, de Lille. Ce sont des vraies personnes, tu vois, qui ont fait des vraies choses, tu vois, des vraies actions, tu vois, pour la jeunesse, en termes de réinsertion, en termes d'encadrement. Donc, tu vois, je me devais d'être là. C'est tout à fait normal pour moi d'être là, tu vois. En tout cas, je te remercie aussi pour le travail que tu fais. C'est bien, mon frère. En immersion comme ça, c'est super. Merci, merci Boto. Alors, qui c'est les moun qui pi proche dans les grands frères qu'on va voyer un gros soutien ba yo pour famille yo? Bon, on va voyer un soutien ba yo tout, hein. Déjà Bouana avant tout, tu vois. Mais c'est Brice, Lilo, c'est la famille. Je la connais. Longtemps nous qualités ensemble, tu vois. Elle la jeunesse, donc on fait un long encadrement, un long concert, un long événementiel. Moi en tant qu'artiste aussi, tu vois, on va contribuer en lobby, parce qu'on peut dicter aussi. Donc, tu vois, on va encadrer la jeunesse bémaussienne, mais aussi guadeloupéenne. Et tout ça, ça fait partie d'une chaîne, tu vois. Et là, il aurait essayé de briser les chaînes, là, tu vois. Donc, il n'est pas bon, mon fort. C'est un travail qu'on fait avec le cœur, tu vois. On le fait pour notre île, pour nos jeunes. Et quand je vois des frères comme ça, tu vois, enfermés, je trouve ça gros, tu vois. Donc, respect, mon fort. Il faut diffuser le message et il faut les soutenir. Justement, tu as ton studio d'enregistrement et nous savons que Bouana a fait un lobby pour la jeunesse. Donc, ou collaborer avec Yassi des missions pour pouvoir encadrer la jeunesse aussi. Oui, bien sûr, comme je disais, tu vois, sur les concerts, les événements, tu vois, avec Bouana, on a fait pas mal de choses, tu vois. Le frère a toujours été présent pour sa jeunesse. Je peux témoigner de quelque chose qu'il faisait aussi, c'est emmener les enfants, par exemple, en vacances, tu vois, avec ses propres moyens, avec ses propres fonds. Les enfants les plus démunis, tu vois. C'est des actions comme ça, tu vois, efficaces. Et puis après, dans l'événementiel, on a poursuivi, on a fait des concerts, on a fait pas mal de choses, tu vois, pour faire vivre l'île. Parce que comme on dit, l'ennui, c'est la meilleure des vices. Donc si nos jeunes s'ennuient, forcément, ils partent en couille, tu vois. Donc il fallait des acteurs comme ça pour pouvoir leur donner de l'occupation, leur permettre aussi de découvrir de nouveaux métiers. Parce que l'événementiel, la production, c'est des métiers. C'est de la réinsertion. Là, on voit des petits jeunes qui sortent là, ils n'ont pas ça qu'à pour faire, ils aiment la musique, ils aiment ce bitin là, ça. Et bien, quand ils auront fait, ils auront venu voir nous, naturellement. Et bien, nous allons réinsérer eux, nous allons essayer de trouver des voies bah, là-dedans, ça, ils aiment. Et puis, pour la plupart, ils auront professionnalisé eux et nous fiers. Donc, moi, en cas d'accord, tu vois, des boucs en Bouana, c'est des boucs qui ont vraiment fait les vraies choses. Et ça, il faut féliciter ça, il faut nous lever, c'est important. Alors, nous avons c'est ainsi que les réseaux sociaux qui ont développé un lot de jeunes qui ont fait musique, qui a fait petit clip à yo à l'underground, il y a un téléphone à yo et tout. Donc, vous travaillez là, vous avez fait le travail d'encadrement, on travaille nous avons dit de grands frères aussi, qu'on a fait avec yo. Donc, sinon, des jeunes hein, qui ont fait petit mouvement à yo, et ils ont dit, pauvre, mais nous avons fait check oblique aussi pour nous des directions artistiques, qui j'ai pu rentrer en contact avec eux. Tout simplement, hein, viens devant ce studio là, le studio est ouvert, tu vois, il se trouve derrière la poste à Bemao, c'est un studio public. Donc c'est-à-dire que déjà on encadre la jeunesse bémaoussienne parce que c'est le studio de la ville de Bemao, mais on est ouvert aussi à tout conseil, tu vois, pour tout type d'artistes venant de tout horizon, il n'y a aucun problème pour ça, tu vois. Et c'est venu joindre nous, hein. Si c'est là qu'il y a mes musiques, il y aura ça vouloir pour nous trouver nous. C'est derrière la poste là, c'est Bemao. Super, merci le frère, ben voilà, derrière la poste là, il va toutes les informations là, carré. Carré mon gars, oblique.